Voici Guillaume Guise. Ah, il est là. Ça va les amigos? C'est toi le génie, oui. Et vous savez quoi? Quoi? C'est un bonheur d'être là. Oh. Ah, bah, non, mais je le dis pas assez en général, parce qu'en général, je le pense pas. Ouais. Et limite, c'est pas la qualité de l'émission qui est en cause. Ça, voilà, on se résigne. Non, c'est juste qu'en arrivant à Inter, la première personne que je croise, c'est Leïla. Ah, et systématiquement, elle me fait tire sur mon doigt. Et moi, à force, je la connais, la chute de cette blague. Hein, et masque ou pas masque. Enfin bon, aujourd'hui, je suis content d'être avec vous, parce que ça a été le parcours du combattant pour arriver depuis la Belgique. J'ai dû montrer des tests PCR. J'ai dû remplir des formes. Je me suis battu avec un chien flic. Un chien flic. Heureusement, il était obsédé par sa garde. Je lui ai mis un middle kick hauteur perronné, comme joué. Ça. Voilà, parce que ouais, on dit les bergers allemands, mais oui, en boxe anglaise, oui, mais en pied-point. Moi, je dis qu'un bichon maltais, un bon coach. Enfin, soit. J'ai galéré de ouf pour être parmi vous ce matin. Autant dire qu'elle a intérêt à être vraiment drôle, cette chronique. Hein. Ouais. Si c'est pas marrant, je m'en fous, vous forcez. Comme avec Tanguy Pastureau. Moi, je suis 19 minutes moins long en plus. Voilà, il n'y a pas d'excuse. Hein. Quel chien. Ah, j'adore. Tiens, à propos de chronique, je me dis, tiens, et si je la faisais, au fond. Très bonne remarque. C'est vrai, parfois on a une intro, on s'attache, on n'a pas envie de la quitter et on se sent en sécurité avec son intro. Mais au final, on est quand même obligé de faire le grand saut vers le corps de son texte. Ça s'appelle grandir. Et là, du coup, je me lance. Voilà, je voudrais profiter de la tribune qui m'est offerte ce matin sur la radio la plus écoutée de France pour poser une question, une vraie question. Franchement, vous n'avez pas une bonne série à me conseiller. C'est le premier qui me dit les jeux de la dame, je le gifle, vraiment. Alors pour nos auditeurs vieillissants qui ne voient pas, évidemment pas ce que c'est une gifle, c'est une bifle, mais avec la main. Et si on n'aime pas cette blague, on se force. C'est comme ça. Mais sérieux, c'est dur de tenir le coup. En ce moment, j'ai une vie de tranche de gouda. Je peux passer 72 heures d'affilée prostré dans mon lit, qui serait pas grave en soi s'il y avait ne fût-ce qu'Adèle Exarchopoulos qui avait eu la même idée. Mais j'ai vérifié sous mon draus, à part Étienne, mon morpion, il y a personne. Il faut que je vous le rende d'ailleurs, Daniel. Il arrête pas de me dire je veux mon papa. C'est un de ces fragiles, celui-là, il va finir dans mon aspirateur de table. Non. Le seul bonheur qui me reste dans le climat actuel, vraiment le seul bonheur qui me reste, c'est quand je trouve une bonne série, comme disait Francis Holmes. Et si on n'aime pas cette blague, on se force, on y met du sien, on a assimilé. Parce que là, que ce soit en France ou en Belgique, nos gouvernements, ils cherchent même plus à faire semblant. Il y a encore un mois, ils nous faisaient la réouverture des bars. Courant 21e siècle. Enfin, allez, bonne journée. Mais là, c'est fini. Même plus, il n'y a plus d'optimisme. On est dans le dark. Moi, je dis, OK, la politique donne plus de perspectives de vie, mais alors qu'on nomme un ministre des séries, quoi. Vraiment, quelqu'un qui nous dise, on n'a pas reçu l'AstraZeneca, mais on a la saison 9 d'Engrenage. Ouais, c'est vrai, le gouvernement pourrait le mettre en commun toutes les séries sur toutes les plateformes. Ça s'appellerait La plateforme. J'ai fait un peu de consulting. C'est moi qui ai trouvé le slogan Choisir la France en 2017. C'était le début d'une très belle histoire avec Marine Le Pen. Enfin, Marine, comme dit notre invité. En attendant. Chérie. Je suis obligé de faire des fonds de tiroirs pour remplir mes soirées. Là, cette semaine, je me suis dégoté une petite série kirghize. Là, ça parle d'un flic qui a un secret, mais à Bishkek. Vraiment, donc l'intrigue, elle est pas folle. Mais je dis toujours tant que c'est pas avec Francis Perrin. Ça va, quoi. Parce que quand il y a Francis, alors limite, je préfère un livre ou même une relation amoureuse. Enfin, un truc incroyable. Mais c'est devenu le Graal, trouver une bonne série. On a pas encore vu, c'est vrai, bientôt les dealers ils seront là, Extac, Ketamine, le bureau des légendes. Vraiment, moi je rêve d'un truc en cette saison, un truc qui donne un sens à ma vie, jusque fin février, avant l'émission, vous avez intérêt à m'en trouver une, les gars, franchement, okay. Histoire que je me dise, j'ai pas frappé ce berger allemand pour rien. Allez, bonne émission. Merci, Guillaume Guise. France Inter. La bande originale. En pleine forme, Ça fait du bien. Tu devrais écrire des chroniques, je te jure. Il y a une bonne base.